ça y est, c'est le jour J. Vous avez peut-être perdu les os ou les contractions ont bien commencé. Eh bien, c'est le moment d'écouter votre corps plus que jamais. Et peut-être d'oublier tout ce que vous avez appris pour juste ressentir. Aucun accouchement n'est semblable à un autre, ni à celui que vous avez imaginé. Mais ne vous inquiétez pas. C'est vous qui savez, votre corps sait. Et quand ça vous fait du bien, c'est bon pour votre bébé. Suivez votre corps, suivez vos intuitions. Laissez-vous aider aussi par le papa et par l'équipe qui vous entoure. Même sur la table d'accouchement, même avec une péridurale, il est encore possible de boucher. Et quand on dit qu'il est possible, c'est qu'il est très bénéfique pour vous et pour votre bébé de continuer à bouger. Être dans une salle d'accouchement ne veut pas dire être cloué sur une table. Si vous rêvez de suspension, un drap que l'on accroche à un arceau par exemple, là vous êtes dans un étirement à moitié vers l'avant à quatre pattes, bien dégagé pour respirer, c'est les épaules qui bougent, c'est très agréable et ça permet de sentir ce bébé se mettre en place. Vous préférez le ballon pour bouger votre bassin, pour avoir moins de pression peut-être au niveau du périnée et toujours cette mobilité pour accompagner le mouvement du bébé. Mais peut-être vous voulez être vraiment suspendu. Et hop, on saute. Il n'y a plus de ballon, c'est pas la peine, le papa vous soutient. Et l'axe est merveilleux, vous êtes prête pour que ce bébé rentre dans ce bassin tout droit. À la maison ou à la maternité, un bain dans l'eau chaude accélère la dilatation et diminue la douleur. Enjamber une baignoire, c'est plein de mouvements pour le bassin. Et passer dans un quatre pattes est souvent un moment très agréable. Le papa peut alors vous arroser le dos avec de l'eau chaude, ce qui augmente encore la détente. Vous pouvez utiliser la petite galette pour vous asseoir dessus, ce qui donnera une mobilité à votre bassin. Avec un simple drap ou une écharpe, vous réalisez une suspension. Pour vous balancer en avant, en arrière, à droite, à gauche. Si vous préférez être accroupi, un drap va vous permettre tous les deux de vous installer dans ce cercle pour vous soutenir, bien étiré. S'il existe une suspension au plafond, vous pouvez l'utiliser, ça dégagera bien votre respiration en position à genoux, accroupi. Si votre maternité dispose d'une baignoire d'accouchement avec appui, vous pourrez chercher encore d'autres positions jusqu'à la naissance. Asymétrie et appui ou elle peut au niveau du pied en fonction de ce qu'elle voudrait. Elle peut peut-être pousser dans cette position en remettant le pied un peu plus haut pour avoir un appui. Faire l'expulsion sur le côté dans cette position en poussant sur ce pied. Une fois sur la table d'accouchement, il faut surtout éviter certaines erreurs. Si vous êtes assise, évitez de vous tasser, de glisser sur la table parce que vous ne respirez plus, parce que ce bébé est coincé, il ne peut plus tellement avancer, il n'a plus d'axe. Redressez-vous, étirez-vous, cherchez tous les moyens de vous étirer encore. Utilisez tout ce qui est disponible autour de vous. Ça peut être l'étrier sur lequel vous vous appuyez. Bien sûr, le papa, toujours. Un arceau, une barre qui est sur la table d'accouchement, vous la découvrirez peut-être ce jour-là. Mais évitez d'être allongée, mal posée, cambrée ou assise, tassée. Il faut que vous puissiez respirer dans le ventre pour oxygéner votre bébé et
lui permettre de descendre dans votre bassin dans une trajectoire directe. Assise sur la table, penchée en avant, vous pouvez utiliser le ballon. Ne laissez pas les jambes dans le vide, il faut poser votre pied sur un escabeau. Ça peut être le papa, tout simplement, qui vous soutient et qui vous berce. La petite galette, même avec une péridurale, permettra ce mouvement. Alternez avec un repos en appui en arrière. Grâce à l'arceau, le papa pourra être libre de vous masser le dos. Vous êtes bien en avant, le dos est droit. Le sacrum est totalement libre dans l'espace, votre bébé peut descendre vers l'arrière. Si vous préférez être en appui en arrière, il ne faut être ni tassé ni cambré. Le dossier est bien relevé, les genoux remontés et soutenus, vous dégagez votre poitrine, peut-être en tirant les bras en arrière, vers le haut. Il faut que ça respire. Tous les bébés se présentent en oblique. Il est naturel de rechercher des positions asymétriques. C'est vous qui savez de quel côté il faut faire de la place. Si vous préférez la petite sirène, elle peut s'installer sur la table. Le ballon qu'on va placer de façon à dégager les côtes. On va le caler pour qu'il soit stable. Il n'y aura plus qu'à masser encore le dos pour suivre cette trajectoire descendante et libérer dans l'aine du côté où le bébé va se diriger. En vide accroupi, si le dossier est à votre hauteur, vous pourrez l'utiliser ou l'arceau pour quelques instants de suspension pendant la contraction. Quelle que soit la table d'accouchement, en relevant le dossier, on peut installer un quatre pattes. Attention aux compressions dans les jambes, il faut bien placer le coussin. En général, vous choisissez ces postures parce que les contractions sont douloureuses dans le dos. C'est souvent parce que le bébé a son dos contre votre dos. Avec le ballon, le balancement va accompagner le massage. Et c'est surtout dans le bas du dos, sur les reins, que vous appréciez ce massage. Pour un étirement maximum, le ventre dans le vide, le papa fait de la planche à voile et c'est vous qui réglez la tension. Parfois, vous aurez envie de plonger brutalement en avant parce que la pression, la sensation sur le périnée est trop forte. Ça va permettre la détente devant le bébé qui essaye de passer. Petite variante avec un ballon plus petit. Et si le papa n'est pas là devant, la maman peut s'accrocher directement au dossier et se bercer même toute seule. On peut réaliser ces postures avec la péridurale. Il se peut que vous soyez mieux allongé pour le travail. Peut-être parce que vous êtes fatigué, qu'il y a une péridurale, qu'on capte mieux le bébé. N'hésitez pas à varier les postures, car ça peut être long. Même sur le dos, vous pouvez, à l'aide des accessoires, continuer vos mobilisations comme vous les ressentez. Un peu en suspension pour alléger le bassin, pour la circulation.
beaucoup de mamans sont mieux sur le côté. Coussin replié pour ne pas comprimer le ventre. Le genou bien remonté pour ne pas cambrer. C'est une bonne posture pour engager votre bébé. À l'aide des étriers, il est possible de faire des postures asymétriques, un peu latéro-dorsales par exemple. Toujours la cuisse bien remontée pour ne pas cambrer. Et on repasse sur le dos. L'ouverture du bassin est asymétrique puisqu'il n'y a qu'une seule hanche fléchie. Retour latéro-ventral. Même avec l'étrier si vous n'avez pas de coussin. Votre bébé va naître. Il n'y a pas qu'une seule position pour accoucher. La position gynécologique, couchée sur le dos, les jambes dans les étriers, les genoux écartés, c'est celle qui est la plus connue. Mais elle ne peut pas convenir à toutes les mamans et à tous les bébés. Donc, de toute façon, il faudra qu'elle soit adaptée à votre morphologie et il y a des moyens d'adapter cette position, mais aussi d'autres, comme des positions sur le côté, des positions à quatre pattes, des positions accroupies, que nous allons voir en détail maintenant. Revoyons cette position gynécologique classique. Vous êtes dans la gravité, tout le poids, toute la pression sur le périnée, le sacrum bloqué. On écarte bien les genoux, ce qui va fermer le bassin à l'arrière. On attrape les barres, on lève la tête, on bloque le souffle et on pousse vers le bas, tout vers le bas, pas seulement le bébé. Mais tous les organes vont aller vers le bas. On peut l'aménager. Le seul fait de mettre les genoux plus à l'intérieur, en chasse-neige, va ouvrir l'arrière du bassin. En baissant la table, pour vous mettre légèrement à l'envers, nous déchargeons le périnée. D'ailleurs, toutes les femmes lèvent les fesses au moment où le bébé arrive sur le périnée. On peut corriger encore avec une légère suspension pour avoir moins d'appui sur le sacrum, le libérer au maximum. En utilisant de simples poches de liquide que nous mettons de chaque côté, nous libérons le centre du sacrum et le coccyx avec une mobilité très agréable. Cet aménagement est le plus proche de la position gynécologique classique. Mais ici, vous prenez appui sur vos cuisses pour vous étirer, pour pouvoir pousser en expirant, rentrer fort le ventre, remonter tous les organes. Il n'y a que le bébé qui va sortir. Appuyez bien votre tête dans le coussin pour avoir un dos très étiré. Autre variante de la poussée en expiration, la maman prend appui sur le papa et pousse bras tendus contre son thorax pour serrer son ventre et laisser sortir le bébé. Regardez bien le mouvement des abdominaux vers le haut sur l'expire. La pseudo-suspension ou suspension couchée. Cette fois, la maman est passive, c'est le papa qui tire en arrière pour retirer la maman du bébé. Avec l'arceau, il est souvent agréable de mettre les pieds dessus pour se détendre jambes en l'air et on utilise toujours les poches pour libérer le sacrum et le coccyx. Pourquoi d'autres positions que la position classique sur le dos, dans les étriers, position gynécologique? Bien, surtout pour le bébé. Regardez tout ce qu'il doit faire quand vous êtes sur le dos. Il doit descendre, tourner. Ensuite, il doit remonter contre la pesanteur. Et si vous êtes redressé, ça accentue encore cette difficulté pour lui. Il doit passer ses épaules et on va vous le donner. C'est quand même un peu compliqué tout ça. Imaginez-vous sur le côté. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus direct.
La poussée sera plus directe, plus efficace et il va sortir directement sans avoir à lutter contre la pesanteur. Quand les genoux s'écartent comme dans la grenouille, les ischions se rapprochent, le périnée postérieur se ferme, il n'y a pas de place à l'arrière. Quand les genoux se rapprochent comme dans le chasse-neige, les ischions s'écartent, le périnée est bien ouvert, il y a de la place. La poussée sur le côté, étirée, accrochée au cou du papa, elle pousse sur le pied qui est calé dans la barrière. Regardez les mouvements du bassin, le serrage du ventre se devine. Variante, le bras tendu, elle pousse sur le buste du papa et pousse sur la jambe tendue à l'aide du cale-pied. Accouchement sur le ventre, regardez le mouvement du bassin quand la maman pousse sur le papa, bras tendu. Dans une position à quatre pattes que vous aurez peut-être choisie parce que le bébé a son dos contre votre colonne vertébrale, il va suivre la forme de votre bassin pour être dirigé dans la gravité et venir vers vous dans la gravité. Bras tendus, poussés sur la tête de lit, l'expiration se fait toute seule, les ischions s'écartent, le périnée est déchargé. Enfin, dans les positions verticales de type accroupi suspendu, votre bébé va aller dans la gravité de façon évidente. S'il existe un moyen de suspension au-dessus de la table, vous pourrez accoucher accroupi sur la table. Peut-être le papa sera-t-il autorisé à rester derrière vous. Les genoux ne sont pas trop écartés, les pieds sont parallèle. Le bébé est bien centré et la respiration se fait toute seule. L'expiration serre naturellement le ventre. À la fin de la contraction, le papa vous aide à vous rasseoir. Voilà, j'espère que ce film vous aura donné quelques idées pour que le jour venu, vous ayez envie de prendre position pour aidez votre enfant à naître, car finalement, vous l'avez compris, c'est vous qui savez, et vous allez trouver.